Let's go, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, ouverture, et oui, aujourd'hui, on va se rouvrir deux Blaster Box. On va commencer avec une 2008-2009 Hockey Série 1. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est l'année, entre autres, de Steven Stamkos, si je ne me trompe pas. Et on va également rouvrir une Upper Deck 2019-2020 Blaster Canadian Exclusive de Upper Deck Série 1. Désolé pour ma voix et le toussage encore une fois. Et je vais vous faire également un petit giveaway aujourd'hui. Donc, le gagnant remportera ces deux cartes. Une petite Joel Eriksson Ek Young Gun Oversize. Donc, les Jumbo Young Gun. Ainsi qu'une belle petite Cole Caulfield Superstar Honor Roll de 2021-22. Son année recrue, évidemment. Et pour participer, c'est simple. Je veux que vous likez la vidéo et que vous soyez abonné. Et également que vous likez la vidéo, soyez abonné. Je veux que vous me dites en commentaire combien de buts vous croyez que Cole Caulfield marquera cette saison. Donc, au moment où je vous parle, il a joué un match. Je fais la vidéo le vendredi pour la vidéo du samedi. Il a joué un match, là, il y en a un autre ce soir. Au moment où je vous parle, il y a déjà deux buts. Donc, je veux que vous me dites en commentaire combien de buts vous croyez que Cole Caulfield marquera cette saison. Et vous serez automatiquement éligible pour le giveaway. Let's go, on y va avec notre première boîte Blaster de 2008-2009 Série 1. Et ensuite, on va y aller avec notre Canadian Exclusive, avec le pack de Canadian Exclusive Triple. Je crois là-dedans qu'il y a, on va aller Triple. Donc, on y va ici avec une Jumbo Card. Pour commencer, on a Kyle Okposo. Kyle Okposo Jumbo. Donc, c'est quand même cool. Une petite Young Gun, Kyle Okposo Jumbo. Pour commencer, petite Jumbo de Okposo. C'est quand même cool. Nouveau capitaine, présentement, de son équipe des Sabres de Buffalo, je crois. Donc, c'est ça. On a nos paquets ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 packs. On a déjà une belle petite Okposo Young Gun. On y va avec notre ouverture. Let's go. On passe ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dans nos packs aujourd'hui? Est-ce qu'on peut choper des bonnes Young Guns? Ça serait cool. Donc, on commence. Là, les cartes sont un petit peu collées. C'est quand même vieux. 2008-2009. On commence ici. Je vais pas nommer les bases. Donc, on a un petit Sidney Crosby Hockey Heroes. Pour commencer, donc, une petite insert de Sidney Crosby qui est justement sur le dessus du pack. Donc, ça fait plaisir quand même, une petite Crosby toujours. Avec notre deuxième pack, je crois qu'on a une Young Gun ici. On a une Young Gun de Kyle Okposo. Let's go! Let's go, une petite Kyle Okposo. Donc, je vais pouvoir faire un petit lot. La oversize, probablement, avec la Young Gun régulière. Bien hâte de voir combien ça donne, une petite Kyle Okposo. Mais comme je dis, nouveau capitaine de son équipe présentement qui a été nommé au cours des derniers jours. Donc déjà une petite Young Gun de sortie. En principe, je crois dans ces années-là, on en avait deux par blaster. On va regarder ce qui se cache ici. On a une petite checklist ici de Martin Brodeur. Est-ce qu'on avait d'autres choses? Non, une petite checklist ici, Martin Brodeur checklist. Je vais mettre de côté quand même, une petite Martin Brodeur, une petite Costitine du Canadien. Une petite Martin Brodeur checklist. On poursuit. Next pack. Est-ce qu'on a une checklist, Sidney Crosby checklist. Donc les checklists, je vais les mettre de côté quand même. Ils sont quand même cool, sont différentes. Et on a une Hat-Trick Heroes de Eric Staal. Hat-Trick Heroes. Let's go, on poursuit la vidéo avec ses packs de 2008-2009. On a une Young Gun ici, je crois pas. Non, on n'a pas de Young Gun. Non, c'était un base pack. Un petit base pack ici. Next pack, il nous reste 3 packs pour cette box-là. Ensuite, on va passer à notre 2019-2020 Upper Deck Série 1. Let's go. Qu'est-ce qu'on a? On a une Young Gun. Je crois qu'on va la garder pour la fin, la petite Young Gun. Regardez qu'est-ce qui se cache dans nos deux derniers packs. La chance quand même des belles petites inserts. Ça me surprendrait qu'on ait 3 Young Guns quand même, mais on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Un base pack. Last pack avant de dévoiler notre Young Gun qui était, je crois, même à l'envers. Dans le pack. Ce qu'on a ici. Là, une insert de Jaromir Ginlock, Captain Colleen. Et on y va avec notre Young Gun de John Filiwish. Aucune idée c'est qui ce gars-là. Mais au moins, on a eu une belle Kyle Okposo Young Gun régulière ainsi que la Jumbo. Donc, c'est nos deux hits dans cette box. Évidemment, les deux petites Kyle Okposo, la Young Gun régulière et la Young Gun Canva. Young Gun Jumbo et Young Gun régulière.
Maintenant, on y va avec notre box. Let's go. Une dernière box pour l'ouverture d'aujourd'hui. The Upper Deck Série 1 2019-2020. On peut sortir du solide là-dedans. Il y a Cale Makar qu'on a la chance d'avoir, je crois, si je ne me trompe pas. C'est dans cette année-là, je ne me trompe pas. Dans Série 1, je crois. Sinon, on a peut-être Quinn Hughes et quelques autres bons noms quand même qu'on peut sortir ici. Donc, on va y aller pour commencer avec notre pack. Ici, comme ça, de Canadian Triple. Parce qu'on est ici. On commence avec une Golden Knights de Vegas de Marc Chessault, Fleury et Mark Stone, suivi d'une John Tavares, William Nylander et Morgan Riley des Leafs. Maintenant, on y va avec ce pack-là. Avec ce pack-là. Ouverture, let's go. On veut des Young Guns, on veut des bons hits. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a une Ryan Getzlaf, Yodi Patriots. Pour commencer ici. En principe, on devrait avoir une ou deux Young Guns dans cette box. Qu'est-ce qu'on a? Young Gun, Max Jones. Une petite Max Jones Young Gun ici. Malheureusement, pas le plus gros nom, mais petite Young Gun quand même. Ici, Max Jones Young Gun. Let's go. Première Young Gun de cette box. Regardez, qu'est-ce qui se cache dans le reste. On va avoir la chance de choper deux Young Guns probablement, puisqu'on a déjà une de sortie. On a les Young Guns Canva également qu'on peut avoir. Ici, on a une Brett Burns UD Portraits. Jusqu'à présent, deux UD Portraits, une Young Gun dans ces packs-là, dans cette petite boîte-là. Avec le prochain, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est un base pack ici? Je crois bien que oui. Ouais, on a un petit base pack. Let's go, on poursuit la vidéo. On a ici. Je crois qu'on a un autre base pack. Ah oh non, Yuri Canva de Brendan Saad. Brendan Saad, ça a été cool d'avoir une Young Gun Canva. Parce qu'on a des bons noms également cette année-là chez les Young Gun Canva. Let's go. On va avec le prochain pack. On a une Young Gun. Let's go. On la garde pour la fin. OK, let's go, les amis. On la garde pour la fin, celle-là. Petite Young Gun. On va espérer choper un bon hit. Il y a des belles Young Guns dans cette série-là. Donc, on va espérer en avoir une bonne. Ce qu'on a ici, un autre Young Gun. Quinn Hughes, let's go, Quinn Hughes. Quinn Hughes, Young Gun, on va avoir trois Young Guns dans notre boîte. De Team Triple, j'en avais ouvert une l'autre fois, mais j'en avais seulement deux. Et là, on a Quinn Hughes. Let's go, c'est pas Cale Makar, mais quand même. Bon hit pour une petite blaster. Quinn Hughes, Young Gun, qui se pointe le nez ici. Let's go, il nous reste deux packs avant de dévoiler notre dernière Young Gun. Je crois pas que, malheureusement, ça va être une grosse Young Gun. Parce qu'on en a déjà eu une belle de Quinn Hughes, mais on sait jamais, on peut avoir un autre bon petit nom quand même. Let's go, on y va avec notre dernier pack avant de dévoiler notre Young Gun. Est-ce qu'on a un base pack ici? Ouais, on a un base pack. On dévoile notre dernière Young Gun, je suis pas mal sûr que c'était une Young Gun. Ouais, on avait une Young Gun ici. Regardez ensemble c'est qui. On a une Young Gun de Brady Keeper. C'est quand même cool, petite box blaster à 3 Young Gun. Vraiment content de la Quinn Hughes, évidemment, qui est pas mal la deuxième meilleure, ouais, qui est la deuxième meilleure Young Gun à avoir dans cette série, après Cale Makar. Donc, très content. Quinn Hughes, Young Gun, Max Jones, Brady Keeper, pour les Young Guns aujourd'hui. On a eu la Jumbo de Kyle Okposo et la Kyle Okposo Young Gun régulière. Donc, vraiment content de l'ouverture d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture, vous aussi. N'oubliez pas de commenter la vidéo et de liker, être abonné, commenter. Combien de buts vous croyez Cole Caulfield contre cette saison et vous courez la chance de remporter ces deux belles cartes. Donc merci, ciao, à bientôt pour des prochaines vidéos. Merci, au revoir.